Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, je dis vidéo parce que effectivement c'est une vidéo, mais en réalité la vidéo du jour est annulée. Et donc je fais cette vidéo pour vous expliquer. En fait aujourd'hui je vais faire une vidéo spéciale One Piece. Une grosse vidéo sur les 100 tomes de One Piece. Waouh, une vidéo incroyable. Le problème, si vous avez suivi les vidéos, c'est que pendant une semaine je suis tombé malade. J'avais du mal à parler, j'avais mal à la gorge, encore maintenant j'ai mal à la gorge, donc je prends une pastille. Voilà. Et donc j'ai tout simplement perdu une semaine entière de tournage. Parce que tu peux pas tourner quand t'as mal à la gorge, c'est impossible de parler, donc comment tu fais? Et comme j'ai 24 vidéos à faire et que le timing est assez serré, je dois malheureusement annuler les deux plus grosses vidéos. Et donc la plus grosse vidéo, c'était la vidéo spéciale One Piece sur les 100 tomes. Donc malheureusement, je dois l'annuler effectivement, Killy. Alors tout simplement, ce n'est que partie remise. Les 3 vidéos que je dois annuler au final, je les reporterai plus tard. Et donc en janvier, il y aura la vidéo spéciale One Piece, les 100 tomes. Voilà, il y a 2 vidéos qui vont arriver. Je vous en dis pas plus, mais ça arrivera en janvier. Là, malheureusement, j'ai pas le temps de remplacer cette vidéo. C'est pour ça que je fais une annonce. Les 2 prochaines vidéos, je vais les remplacer. J'ai des nouveaux concepts, vous inquiétez pas. On n'aura rien vu. Sur ce, bah, c'est déjà la fin de cette vidéo. C'est une petite annonce pour dire que bah oui, effectivement, j'étais très malade, que j'ai perdu énormément de temps. Et que du coup ça m'embête un peu. L'année prochaine, si je refais un calendrier de l'avant, je le commencerai plus tôt. Et donc du coup maintenant on va passer à la découverte journalière. Ah oui, c'est vrai que j'ai enlevé le calendrier parce que ça prenait de la place et que j'aime bien avoir de l'espace. Waouh. Voilà, voilà. On passe à l'instant calendrier de l'avant. Salut. On est parti aujourd'hui pour la découverte journalière avec la case numéro 11. C'est parti. Ok. Et donc on est avec, comme les autres, de Nojin Yuki. Alors je sais pas pourquoi, j'ai grave la flemme de lire ça. Ouais. Ok. Et donc on va lire ça tout de suite et on en parle du coup juste après. C'est sympathique, mais c'est pas non plus folichon. Comme les autres de Nojin Yuki, c'est clairement un shoujo. J'ai rien contre les shoujo, j'aime bien les shoujo en général, mais celui-là, il est pas non plus exceptionnel, mais il est sympa. Pour l'histoire, c'est tout simplement l'histoire d'une fille qui veut vivre l'amour. Elle a eu une transplantation du cœur étant plus jeune, et donc elle a dit « Eh ben maintenant, tout ce qui se passe, je veux écouter mon cœur. » Voilà, tout simplement. Alors, c'est une bonne philosophie de vie, mais c'est un peu simple. Et donc un jour, elle va tomber sur un garçon, elle va voir qu'il a perdu son passeport et elle va lui rendre son passeport. Et elle va dire, ce sera l'homme de ma vie, parce que j'ai décidé que ce sera lui. C'est mon cœur qui me l'a dit. Ouais, je surjoue un petit peu, c'est pas aussi niais que ça. Et donc quand elle va enfin le retrouver, elle va dire, je suis amoureuse de toi, je veux qu'on se mette en couple. Elle ne lui a jamais adressé la parole. Et pour la bonne et simple raison qu'en fait, il ne parle pas. Et oui, car le jeune garçon Ibuki est sourd, muet. Alors il est capable de parler, mais comme il a du mal, il a décidé qu'il ne le ferait pas. Et donc il communique uniquement à l'écrit, et il adore la photographie. Et donc la jeune fille va dire, oh là là, c'est compliqué de sortir avec un sourd muet, mais c'est lui que je veux, donc je vais tout faire pour sortir avec lui. Sauf que lui, il a eu plusieurs relations amoureuses, et bah, généralement les filles, elles abandonnent parce que c'est compliqué de sortir avec un sourd muet. C'est un manga qui traite un petit peu du handicap justement, une histoire d'amour, comment ça se passe, et comment ça peut évoluer justement quand il y a une personne handicapée dans le couple. Le manga est très sympathique, mais c'est clairement pas au niveau de A Silent Voice. Voilà, A Silent Voice, je trouvais qu'il était un peu mieux. Pour un premier tome en tout cas, c'est sympathique à lire, mais ça m'a pas non plus transcendé. Après ça peut clairement vous intéresser, le manga est très très bon, c'est juste que moi c'est pas le manga qui m'a le plus plu actuellement dans les 11 mangas qu'on a lus. Donc c'est comme les autres de Nojin Yuki, c'est un très très bon manga sur le handicap, sur les sourds-muets, c'est pas celui qui m'intéresse le plus actuellement. Voilà, mais je vais quand même me prendre la suite parce que j'ai bien aimé lire ça. Sur ce, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde!